Absente depuis plusieurs mois, Alice Bastide, incarnée par Maëlle Nieton, reviendra-t-elle prochainement dans Un si grand soleil? Ou a-t-elle fait ses adieux au feuilleton de France 2? On a posé la question à Olivier Schulzin. Une page se tourne pour l'une des familles les plus emblématiques d'Un si grand soleil. Alors que Mélanie Robert et Jérémy Banster, les interprètes de Manon et Julien Bastide, ont respectivement quitté le feuilleton quotidien de France 2 en 2020 et 2021, un autre membre de la famille Bastide est aux abonnés absents depuis maintenant plusieurs mois. Alice, incarnée par Maëlle Niet, apparue pour la dernière fois à l'écran cet été, dans le cadre d'une arche impliquant Noémie et Rémy, la mère de Manon et Arthur avait déjà été reléguée au second plan des intrigues depuis le départ de Julie. Et si l'on en croit le créateur d'Un si grand soleil, Maëlle Nieton semble bel et bien avoir fait discrètement ses adieux à la série puisqu'un retour de son personnage n'est-ce pas à l'ordre du jour. Non, ce n'est-ce pas prévu pour le moment, répond Olivier Schulzinger lorsqu'on l'interroge sur la possibilité de revoir Alice Bastide prochainement dans la série. J'adore Maëlle, j'adorais ce personnage, mais on a perdu beaucoup de comédiens de cette famille, qui ont souhaité arrêter pour des raisons diverses et variées. Peut-être qu'on retrouvera l'envie de faire des choses ensemble, Maëlle et nous, mais pour l'instant il est ni grec à rien de prévu. J'ai une vision de la série à peu près jusqu'au mois de mai prochain et Alice n'est-ce pas dans les textes. Auguste Yvon également sur le départ comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, les fans d'Un si grand soleil seront également tristes d'apprendre que Auguste Yvon, elle interprète des Arthur Bastide, qui tue aussi le feuilleton quotidien dans lequel il joue depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Selon Téléstar, l'intrigue en cours, qui voit le couple Arthur-Jennifer se déchirer à cause de Laurine, une nouvelle venue au sein de l'hôpital, sera la dernière mettant en scène Auguste Yvon, qui a pris la décision de partir vers de nouvelles aventures. Elisabeth, campée par Christelle Labaud, reste ainsi la dernière représentante du clan Bastide à l'écran. Qui, on l'espère, continuera de vivre encore de belles aventures, autant du côté de Elle Cosmétique que de son histoire d'amour avec le docteur Alain Alphand, Frédéric Vandendriche.